Bonjour, je m'appelle Frédéric Théobald. J'ai eu la chance de pratiquer un sport difficile et un sport de courage, c'est le cyclisme, que j'ai commencé à l'âge de 12 ans. Et aujourd'hui, ce sport m'a permis d'avoir une très belle notoriété. J'ai gagné pas mal de belles courses, j'ai connu aussi quelques défaites. Mais c'est clair que c'est grâce à ce sport que je suis devenu l'homme que je suis aujourd'hui. Et je suis président de l'Excelsior, c'est mon club de toujours. Et j'ai envie d'accompagner cette jeunesse parce que je ne veux pas être en décalage avec eux. Et aussi, j'ai été élu Mister Guadeloupe en 2003. Ça a fait partie de mon parcours, ce qui m'a aussi permis d'être connu dans un autre domaine que le sport. Et j'ai toujours aimé la mode. Donc j'ai été élu Monsieur Guadeloupe en 2003. Ça m'a permis aussi de côtoyer d'autres personnes. Et je suis un homme ambitieux pour mon sport, pour le cyclisme. Donc c'est la raison pour laquelle que je m'investis, j'organise des courses. Donc on peut dire que c'est un parcours en dents de scie, mais avec que du positif, parce que j'ai réussi à rencontrer de bonnes personnes en Guadeloupe. Et en tant que Guadeloupéen, j'ai envie de m'investir ici. J'avais la possibilité d'aller vers la métropole, mais j'ai décidé de rester en Guadeloupe parce qu'il y a un potentiel humain et il y a de belles choses à faire.